BMW News. Ashanti. BMW News. Les amis. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans RDV. N'allez pas manquer une nouvelle édition. Ce que je n'aime pas. Ce que je n'aime pas va durer toute une saga. Donc, ça sera une chronique qui va durer dans le temps. Donc, je ne sais pas si j'en aurai combien d'épisodes, mais je vais déchiffrer, décrypter, analyser, étudier, détailler certains faits de certains et certaines artistes de notre pays. C'est parti, let's go. Cappuccino LBG, un chanteur dont les talents ont été dénigrés à tort dans les cadres de polémiques musicales congolaises. Le padre. Malgré cette campagne de déstabilisation, ses qualités ont été reconnues par l'artiste Ferregola, qui l'a invité à collaborer sur son album Dynasty 2, contribuant ainsi à changer l'opinion publique et de mieux le mettre en lumière. Alors, entre un combat pour s'élever et réussir malgré les obstacles, comment Cappuccino a réussi à s'en sortir? Le chanteur congolais qui a fait partie du groupe Wendy Music à Maisomer, dont les talents ont été injustement remis en question depuis son départ au sein de l'orchestre Wendy Music à Maisomer, bien sûr. Et nous allons parler aussi de sa reconnaissance par Ferregola à travers la chanson Fala au Dynasty 2, qui est l'une des meilleures chansons de l'album à travers ses grands chanteurs et artistes respectés de la bande congolaise. Son histoire est remplie de controverses. Victime d'une campagne de dénigrement au sein de l'orchestre Maisomer et par certains de ses pairs. Or, l'histoire derrière Cappuccino est celle-ci. Cela va permettre d'enlever et éliminer certains équivoques, ambiguïtés et complexités. C'est parti, let's go. Donc tout à moi à bordir entre notre propre gré, mais c'est comme ça. À la base, vous allez remarquer que quand Cappuccino était dans le groupe Wenge Musica Maisomer, tous ces clichés sur lui n'y étaient pas. Je sais que certains diront qu'il était protégé, or faux. Pour preuve, sa chanson Point Carré avait fait son effet et il était parmi les classiques ou majors de sa génération. Sauf que sa personnalité pacifique lui a peut-être porté préjudice. On ne sait jamais. Mais dans tout cela, Cappuccino a toujours été sûr et serein de lui, jusqu'à son départ au sein du groupe pour voler de ses propres ailes. Et oui, il était déjà très bien assis, responsable, avec une vie de famille stable. Qui voulez-vous d'autre? Malgré cela, pourquoi sa carrière n'a pas su tant décoller comme il aurait su? Les choses sérieuses commencent. Quelle est la cause? Trop de combats, bien sûr. Je pense Balé Boga. Hein? Bah, comme sous ton occupant au mais ton zone, tu as les passages. Alors, une campagne a été créée, fait exprès, pour le discréditer, en suggérant qu'il a chouré ou détourné, je ne sais pas quel mot vous pouvez employer, une des anciennes membres du groupe, danseuse, qui semblerait être contre l'ancienne compagne de son leader. Semblerait. Pas de problème. Donc, ils entretenaient une simple relation bancale. Si et seulement qu'elle ne bridait la relation. Alors, en dépit de tout cela, Cappuccino a toujours été serein. Parce qu'il ne s'est reproché de rien. Et continuait de progresser dans sa carrière musicale à petits pas, crescendo. Pour atteindre un jour ce qui lui est prédestiné. Voilà, c'est tout. Jusqu'à cela ne tienne. Le polémique entre héritier au clash de Sankara,
aux dissidences, au renoncement de son ancien leader, remarquable sur la toile, voilà, là. Aux déviations de la cause, et aussi des passages et ses autres collègues, etc. Elle a donné satisfaction. En outre, aujourd'hui, l'artiste a reçu un comeback fracassant. À travers leur collaboration avec l'artiste Ferregola, qui fera couler beaucoup d'encre du côté de ses adversaires. Ça, c'est sûr. Et l'on s'épicie. Il avait déjà s'épicié. En avance. Ah, le petit, qui est devenu un grand, qui ne fait pas. Et où les beaux gars, Capoutine? Non, Sarah Solo. Nous voici présentement Cappuccino, qui était autrefois mauvais garçon, mauvais chanteur, blanchi selon ses détracteurs par Ferregola. Or, c'est une évidence, il aurait juste été victime de sa propre famille musicale et son ancien leader. Bref, pour en finir, en conclusion, Cappuccino est un faux chanteur. Faux. Il a chanté Poincaré, Motuka. Aujourd'hui dans Fala, c'est un bon chanteur. Ou un chanteur tout simplement. C'est un chanteur. Il a réalisé un album et plusieurs singles qui ont marché. Donc, c'est faux. Cappuccino a piqué la femme de quelqu'un. Faux. Cappuccino a épousé sa femme. Au contraire des autres. Pour finir, Cappuccino et Choco, si tu veux, mais il est vraiment beau. Cappuccino est rancunier, faux, il pardonne facilement. Voilà, là c'est tout, merci à vous, merci Ferregola, les rassembleurs pour cette belle initiative dans Dynasty 2. Restez connectés à notre chaîne en s'abonnant et en activant la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Mettez vos pouces noirs et n'hésitez surtout pas de commenter, dites-nous ce que vous en pensez. Merci à vous, au revoir, c'était La Voix du Net, premier de la classe. Bye, bye. Congo, la team. Nathalie Bumba, zéro faute, sur belle des belles. Alex de San Francisco, de l'autre côté. Donc, la moyenne est la copoya confondue, la mise en soi. La moyenne est mon ensemble, yo mon pao. Congo, la team. Bienvenue. Qui sont des mignes amores. Voyez, allez, mon ami. Yo qui les beaux gars, Cappuccino, n'allez pas.